Salut encore et bienvenue une fois de plus dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans cet épisode, première rétrospective d'un projet mettant en dialogue l'art plastique et la littérature de l'océan Indien. Du 3 au 5 octobre 2022, l'école des beaux-arts Mahatma Gandhi accueillait une série de conférences mettant à contribution l'université de Maurice, l'école des beaux-arts elle-même, ainsi que l'université de Bayreuth. Cet événement portait un titre des plus évocateurs, « Naviguer le tout monde de l'océan Indien, poétique relationnelle entre écriture et art visuel ». L'initiative était pilotée par Ute Fenle de l'université de Bayreuth. Outre de nombreux échanges académiques, littéraires et artistiques, ce grand rassemblement culminait en une exposition d'œuvres d'étudiants de l'école des beaux-arts. Des œuvres s'inspirant d'une sélection de textes de trois auteurs et poètes phares de la région océan Indien, Ananda Devi, Jean-Luc Raharimanan et Umar Timol. Premier arrêt sur ce projet ce soir, où nous focalisons principalement sur l'expérience des écrivains et des étudiants en art plastique dans le cadre de cette rencontre artistique. Suivez la ligne. Krishna Lachman, qui est head de School of Fine Arts, était en dialogue avec Uta depuis un bon moment. Alors, comment est-ce qu'ils ont collaboré pour faire un travail d'échange avec l'École des Beaux-Arts? Et justement, moi, je me rends un petit peu à the end, let's say, pour, avec le projet avec les étudiants. Donc, mon élève, c'est fini Gaiman Poème, d'extrait d'Uma Timol, Ananda Devi et Jean-Luc. Et ils utilisent bien sûr, choisir n'importe qui texte qu'ils ont pied à l'aise, qu'ils ont content, qui inspire eux. Et la plupart, ils choisissent librement. Ils commencent à faire un travail en amont avec mon sketch, ils prennent mon mot. Nous avons un extrait de livre, un auteur. Et d'après ça, nous commençons à travailler nous, petit à petit, commençons à développer nos paintings, soit sculpture, soit print. Moi, je m'inspire moi, de Ananda Devi, Le jour des caméléons. C'est les causes un peu sur la migration. En fait, Ananda Devi, c'est la cause de la migration des caméléons de Madagascar. Mais moi, je prends la migration des Indian Laborers à Maurice, ici. Et ça inspire moi parce que je cause un peu plus sur mes ancêtres. Comment mes grands-grands-parents sont venus et je tiens à ce courage, là, je tiens à ce hard work. Là. Je suis venu pour travailler ici et mon père est plus pour comme si commémorer l'arrivée, mais aussi de nous être un honneur. Et comme si faire une personne rappel, voilà, c'était un moment qui me passait. Mon travail au monsieur Omar Timol, ce texte « Pourquoi créer » qui m'a interprété dans mon style et mon un œuf-li. Comme il y a texte, je trouve moi plus relié avec moi-même, personnellement, il cause au selfishness, le self-love, égoïsme, un peu le monde actuel plutôt. Et ça, il bien inspire moi et je vais de l'avant avec ce texte-là. Et comment on fait l'interprété en fait? Je pense plus le côté un imaginative world. Pareil comme quand nous regardons des dessins animés, on trouve un grand pied, un grand animaux, l'autre. Mais je me fais un peu de ça, texte, contexte. En fait, c'est moi les mondes qu'on crée là, qui peut raconter exactement? Il raconte comme si une personne est en haute, comme s'il y a une queen, une female body, est en haute, est un boss, qui peut essayer d'inviter le monde actuel qui est rempli avec beaucoup de négatifs mindset. Il peut inviter les pour venir dans le monde supernatural là et encourager à avoir une positive vibe en tout. Et
part toujours d'une personne, on part toujours des profondeurs d'une personne. Et ces profondeurs-là, ça ne vient pas de nulle part non plus, ça vient aussi du monde, ça vient aussi de l'univers. Et c'est faux de croire que la base, c'est d'abord une personne. Non, une personne vit aussi dans un univers. Et c'est l'univers qui passe par cette personne-là et cette personne redonne. Donc il y a tout un mouvement comme cela dans l'art. Et non, pour moi, c'est complètement... C'est là qu'il faut aller. Ça ne sert à rien de garder les choses à soi, seulement à soi. Enfin, peut-être que ça peut être partagé plus tard par d'autres parce qu'on ne peut pas non plus forcer un artiste ou un écrivain à sortir ses textes. Et ce qui fait que on ne peut pas obliger quelqu'un à partager son texte. Chaque auteur, chaque artiste a sa spécificité. Il y a beaucoup d'œuvres aussi qui restent un peu dans les tiroirs, mais ce serait toujours intéressant de les sortir. Alors, moi, je décide pour faire l'extrait de Jean-Luc Ramharimanana, Eric Andro, La Faille du Jour, parce que ça extrait là une bien match avec me l'histoire. Dans cet extrait là, il cause l'ombre ombre et comment ça man ombre là, j'ai différents sentiments. Et dans ce sentiment-là, je me retrouve moins beaucoup là-dedans. Dans cet extrait-là, nous retrouve un sentiment comme la joie, et le chagrin pour la mort, et aussi le sentiment d'amour. Au fait, moi, comme on y a ce texte-là, je juste repère des affaires qui me manquent, moi. Et comment tu peux dire où, ça veut dire que ce qui me manque moi dans ce texte-là, c'est plutôt le côté que les causes, l'ombre et le sentiment. Et c'est pas ça qui me commence à faire ce travail-là, vu que moi, dans mon style, me moche bien les bonnes affaires qui touchent moi, les bonnes affaires que me retrouve moi. Et voilà, c'est pas ça qui me essaie d'écrire ce travail-là. Comment trouver le travail-là? Il y a différents types d'ombres. Il y a trois ombres. Une ombre là-dedans, il peut danser pour définir la joie. Une ombre, il y a la main sur le cœur pour définir l'amour. Et une ombre, il peut jeter sur l'écho pour définir l'amour. C'est lumière sur lumière pour Uma Timol. Le temps qui me lie extrait là, je trouve qu'il explique qui fait moi mon propre hôte. Donc, mon droit bien intéressant et que je interprète de ma façon. Par exemple, tu as un miroir, tu as un énigme, tu causes beaucoup de personnalité et tu as une phrase qui dit qu'il nous crée parce qu'il n'a pas qu'à faire autrement. Ça m'a un boulot comme ça. Au fait, le temps que je lie extrait là, je n'ai pas eu l'idée de suite. Ben là, je laisse comme ça même, mais tu as une zone qui est dans le miroir. Là, il est amené comme ça. Ça veut dire qu'il y a une cheville qui peut être lui-même dans le miroir et qui peut réaliser que sa cheville, sa réflexion, il peut trouver là, c'est pas lui, qu'il a un sens lui-même pour plaire les autres du monde. Donc, le temps qu'il réalise ça, il décide pour le sens lui. Donc, il prend la peinture, lui, et peint de sa réflexion. Et la raison qui fait mon plaisir à Canvas, c'est pour montrer que toute personnalité, il est comme un puzzle qui saisit bien le du monde pour reconnaître le vrai du monde là. Il y a toujours une part d'inconnu et d'inattendu à l'idée que quelqu'un va se réapproprier un texte et comment il va l'interpréter, il ou elle va l'interpréter. Mais je dois dire que là, l'expérience était vraiment extraordinaire parce qu'on a tout de suite compris que ces étudiants-là n'étaient pas dans une sorte de superficialité, ni par rapport à nos textes, ni par rapport à leur propre création. Donc je trouve qu'ils ont été chercher très profondément en eux une réponse à des textes qui viennent aussi très profondément de nous.
Aujourd'hui, justement, c'est très palpable. Le retour de l'autre sur sa création est très direct. Mais lorsqu'on écrit, est-ce qu'on s'imagine aussi justement cet autre, comment il va peut-être recevoir, interpréter ou... L'acte d'écrire lui-même, en fait, en principe, c'est solitaire. On ne peut pas trop s'imaginer le lecteur parce que ça risque aussi de faire dévier notre propre regard sur ce qu'on fait, sur ce qu'on écrit. Donc je n'ai pas un lecteur particulier ou individuel, mais j'ai quand même toujours une sorte de regard au-dessus de mon épaule qui est peut-être le mien même et qui se dit bon, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne marche pas ou est-ce que tu vas dans la bonne direction ou pas. Donc il y a une sorte d'autocritique permanente qui reste et qui doit rester, sinon on ne peut pas se laisser aller à une sorte de facilité par rapport à ce qu'on fait. Mais après, pour moi, une fois que l'œuvre que le texte est publié ou sorti dans le public, je n'ai pas un instinct de propriété là-dessus. J'aime bien l'idée que, en fait, il n'est pas terminé, il ne se terminera que quand il rencontre le lecteur. Et c'est le lecteur qui termine le texte, en fait. Il n'existe dans son entièreté que lorsqu'il a rejoint son lecteur. Et de la même manière, quand on voit des artistes réinterpréter ces textes, on a l'impression qu'ils leur donnent une autre vie, une autre forme, et que ce sont des espèces de créations un peu polymorphes qui vont finir par émerger dans une autre forme à un moment donné de la vie. Et donc ça donne une vie au texte, une vie propre, une vie autonome, qui d'une certaine façon fait que quand il est sorti de nous, il ne nous appartient plus, il appartient à tout le monde et il n'est achevé que lorsqu'il a atteint ses autres lecteurs ou artistes qui se découvrent eux-mêmes et qui découvrent quelque chose dans ses textes. Je choisis le texte de Ananda Devi, Vie rouge, vie noire. Je choisis ce texte-là qui fait parce que je suis capable de retrouver moi-même dans ce texte-là parce qu'Ananda Devi décrit la ville de pour lui comme jamais auparavant. Et d'ailleurs, je suis capable de rester trop mal là-dedans qui fait parce qu'il parle beaucoup, bien sûr, être simpliste, être humble, mais je suis capable de trouver mal là-dedans grâce à travers cet extrait-là. Au fait, pour capable de rester interprète ça, il demande vraiment beaucoup de temps, réflexion et aussi de recherche. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il peut faire ça pour interpréter un extrait, c'est-à-dire prendre un extrait et faire livrer en image, soit en peinture. Et vraiment, il demande beaucoup les temps de réflexion et recherche aussi. Bien sûr, je prends mon extrait là, je prends un mot intéressant et je fais livrer en peinture. Pour ce travail-là, je fais un croquis, mais à la base, c'était seulement une idée directe. J'ai envie de moi de deux, comme si pour montrer ça l'effet contradictoire et en même temps une cohérence aussi. Ton travail là. L'extrait que je choisis, c'est It's by Uma Timol, namely Sang, Blood. Au fait, comme on lit cet extrait là, c'est la seule chose qui me pense, c'est violence contre femmes. In nowadays, it's very common all around the world. Surtout in the 21st century, it's a bit, you know, strange, but it still continues. En fait, two main concepts, c'est mon prend child marriage et marital rape. C'est une situation bien commune qui peut arriver aux autres. Et it's not mentioned. C'est ça qui touche moi au fait, parce que c'est un topic qui besoin causer, qui besoin faire débat ou ça. Mais beaucoup du monde se reste tranquille, se pas cause ou ça. Strangely compared to Uma Timol's text, qui n'est pas au fait qu'elle expressly dans cet extrait là, n'est pas redominant ni côté violence, mais moi ma perception, c'est plutôt côté comme une liali, moi me trouve plutôt la violence contre femmes tout ça. Donc c'est ça qui me redemettait dans mon art. La longueur du sari, il continuait, ça montrait que, since ancient times, c'est ben madame, je ne pas qu'à montrer cette figure to the public. So it's like the length of the sari represents from how long, since earlier times, sa tradition a pu venir jusqu'à le 21st century.
je crois que c'est un grand moment de bonheur parce que bon, moi j'écris surtout de la poésie. Et la poésie, c'est une grande solitude, la solitude de la création. Mais aussi, il n'y a pas vraiment de lectorat, il n'y a pas vraiment d'échange. Et je pense que la création, c'est cette quête du dialogue. Mais c'est un dialogue inachevé finalement, parce qu'on crée, on publie. Et souvent, on a l'impression qu'on est confiné dans cette solitude. Donc là, ça nous donne l'occasion justement d'entrer en conversation avec des artistes de talent. Et je suis émerveillé par le résultat parce que, bon, il y a des... On réinvente mes textes d'une certaine façon. Et ces artistes nous proposent des lectures vraiment intéressantes et farfelues à la limite, qui ne correspondent pas tout à fait à ce que ma création, enfin du moins. Tu sais, je pense que la création, c'est un travail de l'inconscient, donc surtout la création littéraire. Donc on croit parler d'une chose, peut-être qu'on parle d'autre chose. Et finalement, l'artiste entre en conversation avec la partie inconsciente du travail. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense que les artistes mauriciens se sentent seuls souvent. Donc il faut créer ces espaces de conversation, d'échange et de partage. Et je trouve que cette pratique pluridisciplinaire, l'écriture, la pratique artistique, les sculptures est une chose très, très, très intéressante. D'autant plus que dans ma propre création, il y a, on va dire, un aspect pluridisciplinaire parce que bon, j'écris et depuis peu, je fais du théâtre. Et récemment, je me suis lancé dans la photographie. Donc pour moi, ce sont des univers qui semblent très différents, mais en même temps, il y a énormément de liens. Donc je pense qu'il faut créer ces liens entre les artistes pour nous libérer justement de cette solitude, pour qu'on puisse aller vers l'autre, échanger et partager, et surtout aller au-delà du cercle des passionnés de l'art à Maurice, hein, ceux qui s'intéressent à la culture, pour essayer de convey, de transmettre ce travail aux autres Mauriciens, pour qu'ils s'y intéressent. Donc je pense que c'est une très belle initiative. L'interprétation alternative, même voire la déformation, est presque inévitable. Alors, est-ce qu'on entre dans un exercice comme cela avec l'acceptation que ceci va arriver est-ce que ça dérange aussi des fois si c'est passé un peu de travers Donc, ça peut déranger, effectivement, mais je pense que nous sommes dans une logique de l'acceptation parce que libre à chacun d'interpréter le texte comme il ou elle le souhaite. Mais je pense que ce que cet exercice m'a démontré, c'est que les lectures sont infinies, finalement. C'est que moi, j'écris un texte. Je parle d'une chose précise, peut-être c'est un texte spirituel, mystique, qui parle d'amour, etc. On en fait une lecture complètement différente. On s'attend à un mot. Ou peut-être, il y a une artiste qui a fait une interprétation d'un de mes textes, il me semble que c'est une contre-lecture, parce que je parle d'une chose et elle parle d'une chose complètement différente, ce qui est assez étonnant quand même. Mais vous savez, ce que je crois aussi, c'est que, Ananda a parlé de ça, je crois, c'est que l'écriture est un espace de liberté totale. Donc quand j'écris, il n'y a pas de censure. Donc, je vais vraiment au bout de ce que je suis, finalement. Et c'est vrai, quand on offre cela à l'autre, c'est vrai qu'on offre la partie, la substance de son être d'une certaine façon, par l'entremise des mots, je pense que c'est là qu'on arrive vraiment à communier peut-être avec l'autre, parce que cela vient littéralement des tripes. Et ce que je ressentis aujourd'hui, c'est qu'il y a des artistes, bon, il y a ce contact, il y a ce lien. Ce pont qui se crée finalement entre l'auteur et l'artiste. Je trouve ça vraiment fascinant. Hein. Finalement, notre œuvre nous échappe parce qu'on le lira de différentes façons. Mon film choisit un texte par Omar Chimol, The Monologue of a Killer, parce que ce mot killer là, il ne plie attire mon attention. Par exemple, quand nous causons killer, nous préférons prendre référence par bande d'affaires plutôt la violence et tout. Mais dans ce cas là, on prend référence pas par la violence, mais plutôt pour toutes les bandes d'affaires comme émotions, bandes d'affaires, feelings. Au fait, ça œuvre là, les plus slow pour moi-même. Les plus slow pour moi-même dans façon qui, dans le passé, on passe pas un moment assez difficile et qui me plus envie de montrer que d'après ça va un moment difficile, là, mon récit survécu et aujourd'hui, ok. Comment on lit ça à titre là, mais une histoire qui m'a déjà apparu dans mon article, mais en lisant ce texte-là, elle est là, comment dire, mon pli arrive à comprendre ce texte-là et mon fait ça œuvre. Là.
Les Jeux des autres, par Umar Timol. Là-dedans, il raconte une histoire à une jeune femme qui en a beaucoup rêvé, et aussi rêve bien fou avec les autres, tout ça, et que tout le monde relie à ça, Texas. Mon retour moi de la Texas et que mon essaye mon petit design une vision et au fait ça travaille là mon travail bizarre un travail un an commencement avant et que mon retravail là mon essaye ajoute mon layer et que mon essaye fait Texas vient d'après mon tableau et mon apprend encore quelque chose d'après la Texas et mon améliore tableau là avec façon mon observer. Et pour ça, on essaye de créer l'émotion aussi. Mais c'est ça, au fait, la façon qu'il raconte sur la vie, qui me trouve lui proche à moi aussi, qu'il essaie de voyager, et que la façon qu'une personne trouve sur la vie, il trouve vraiment la vie fou. Quand il y a un rêve, il a dit impossible. Ici, là, moi, on essaie de rapprocher à moi aussi, qui moi aussi, il y a un rêve. Mais nous y croyons. Nous reviendrons sur cet événement lors d'une prochaine édition en focalisant davantage sur les échanges académiques de ce projet pluridisciplinaire. À la prochaine, restez en ligne. Thank you.